Mi-corne, caporne, 3 ans après la mort de sa femme, l'aventurier a retrouvé l'amour. J'ai caché cette nouvelle relation à mes filles par peur de les blesser. Non, à 52 ans, rien n'est fini. La vie nous réserve encore de belles surprises. En dépit des épreuves, des drames qui ont jalonné son existence, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma femme, ma sœur, ma mère, des amis proches et, Mi-corne qui, après à l'état sauvage, présente Caporne, sur M6, ce 27 septembre, est à un tournant de son existence. En février 2015, sa femme Cathy, avec laquelle il venait de passer 27 années superbes, était emportée par un cancer. Quand je lui disais que je voulais mourir avec elle, ou que je voulais échanger ma vie avec elle et mourir à sa place, elle me répondait non, tu dois vivre pour moi, nous confie Mi-corne. D'une sincérité désarmante, il poursuit, elle m'a dit aussi, toi, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de l'affection, de l'amour de quelqu'un, tourne la page vite, autrement tu vas crever. J'ai acquiescé. Mais sans vraiment analyser ce qu'elle me disait. C'était trop tôt. Trop tôt pour prendre la mesure de ses paroles. Zéro. Comment, demain, trouver quelqu'un d'autre / comment ne pas comparer / c'est en discutant avec mes filles que j'ai compris qu'il fallait accepter l'idée de vivre quelque chose de différent. Extrêmement soudées, Annika et Jessica, les ravissantes filles de Mi-corne, forment avec leur père un trio de choc sur le plan professionnel. Et une famille si fusionnelle sur le plan personnel que notre aventurier, oubliant quelque peu que ses enfants étaient désormais des femmes, n'osait pas vivre sa vie d'homme en toute franchise. J'ai eu peur de les blesser quand j'ai commencé une nouvelle relation, reconnaît-il. Je la leur cachais. Jusqu'au jour où Annika est venue vers moi en disant, mais dis-nous tout, on est des adultes / l'amour est aussi là, dans cette capacité de partage. C'est ce qu'elles m'ont appris. Sur l'élu de son Xur, Mi-corne dit qu'elle est évidemment sportive, mais a quand même sa propre vie. Équation fondamentale pour lui. La vie est comme un puzzle, commente-t-il, on doit trouver les pièces qui peuvent venir la compléter. Peut-être que je suis vieux, mais pas autant que ça, j'ai encore plein de vie, de projets, et les partager avec quelqu'un est toujours mieux. Je n'aime pas être seul. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un et quand tu es bien avec cette personne, quand elle partage un peu ta passion du sport, de l'aventure, pourquoi chercher ailleurs / quant à imaginer être à nouveau père, Mi-corne ne dit pas non. Conditions. Tout est possible, dit-il, on essaie souvent de planifier sa vie, mais elle va rarement là où on a prévu.
mais je pense qu'avant de devenir papa, je devrais en discuter un peu avec mes filles pour avoir leur avis. Chez les Horn, on ne déroge pas au conseil de famille, d'autant que ce dernier ne parle de rien d'autre que d'amour.